Alors, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je suis un peu désolée, mais c'est vrai que j'ai pas eu la tête trop à filmer ces derniers temps. Et je me voyais mal revenir sur YouTube avec une vidéo un peu comme si de rien n'était. Donc j'ai pensé qu'un vlog serait pas mal. Voilà, je suis dans ma voiture parce que je vais aller à la poste. C'est fantastique. Pourquoi j'ai pas filmé? Parce que je me suis séparée de Johan. Il a emmené les deux chats et c'est un peu une affaire compliquée, mais en gros les chats je les verrai plus jamais, donc j'avais le moral totalement dans les baskets. J'ai perdu Bandit, donc c'était notre border collie. Voilà, j'ai perdu Lexi. Voilà, super année, hein. Et donc j'ai beaucoup travaillé aussi parce que j'ai pas mal enchaîné les heures au travail. Donc en fait j'arrivais le week-end, j'étais fatiguée, en plus souvent j'allais à l'équitation, bon après je sortais pas mal. Donc voilà, j'avais pas trop la tête à YouTube et c'est aussi pour ça que j'ai pas, enfin que je réponds plus trop aux messages privés, aux commentaires et tout ça parce que j'avais juste pas envie quoi. Voilà, donc cet après-midi, il y a notre vétérinaire équin qui vient pour pucer Nanouche et faire des rappels à Emily, à Bobo et à tout le monde. Donc je sais pas s'il voudra que je le filme, je vais lui demander, mais ce serait pas mal. Voilà, donc écoutez, là je me suis occupée du box à Bonnie, j'ai sorti mes fufus dehors. Je me suis occupée de mes cochons d'Inde et puis je vais aller à la poste et après je rentrerai, je nettoierai la pièce des fufus parce que c'est un vrai carnage. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure alors. Ciao. Voilà, je reviens de la poste. En fait, j'ai été envoyer un petit colis à Sylvain que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Donc voilà, je vais pas dire, vu qu'il regarde mes vidéos, je vais pas dire ce qu'il y a dans le colis. Sinon c'est nul, mais voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Vous avez été nombreux, alors je sais pas pourquoi, vous voulez savoir les chiens qu'on a. Donc savoir les chiens, c'est à ma mère, donc on en a 7. En fait on a donc 5 York, un Chichi et un Carlin. Donc je vais vous les montrer ce qu'il y en a sur le canapé. Donc là on a Cupsi, là on a Cucu, c'est la maman Yorkshire. Là, on a le papa César. Voilà, donc ils ont 8 ans. Là, on a Emmett. Voilà. Là, on a Patate. Alors, Patate, en fait, on l'a trouvé dans la rue. Enfin, dans notre village, quoi. Il traînait sur le bord de la route. Et la puce n'était pas à jour. Donc, on a fait toutes les mairies aux alentours de chez nous. Personne ne l'a réclamé, donc on l'a gardé, mais il doit avoir, je sais pas, quand on l'a trouvé, il devait avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà 4-5 ans qu'on l'a. Voilà, lui il est sourd, comme un pot, il pue de la bouche, hein, il a tout pour lui ce petit Patate. Là on a Léo, Léonard, qui a même pas un an, coucou Léo. Donc en fait c'est notre copine qui nous a donné Bonnie et qui va la débourrer avec moi qui nous l'a donné parce que sa chienne avait eu des petits. Et voilà, on a pris les Léonard, on a pris Léo, la Emmett. Alors Emmett c'est mon petit chouchou hein, parce que depuis qu'il est bébé c'est pour lui que mon cœur balance. Hein Emmett? Et là on a Edouard. Eh mon Edouard, voilà. Qui fait des crises d'épilepsie. Donc en fait j'ai ramené de mon travail, je vais vous montrer. J'ai ramené ça s'appelle de l'épileptile, c'est sans ordonnance, c'est de l'homéopathie en fait. Et il doit avoir des gouttes le matin et des gouttes le soir. Ça arrête pas les crises, mais en fait elles sont beaucoup moins fortes. Apparemment, c'est ma mère qui m'a dit ça. Et puis il y a la fille Eden, mais Eden elle doit être auprès avec ma mère vu que c'est un vrai pot de colle. Voilà, c'est nos chiens. Ah, Emmett. Voilà, et puis on avait Bandy, et voilà. Et là, on stade pour prendre soit un dog allemand, soit un dog argentin. Parce que moi, en fait, moi, je suis la team dog argentin. J'adore les dogs argentins. Donc, on en a eu une quand j'étais petite. Et puis voilà, ça me manque trop un dog argentin. Mais ma mère voudrait un dog allemand. Donc, je sais pas. C'est vu que c'est elle qui va le payer le chien et l'assumer financièrement, c'est un peu elle qui va décider
En fin de compte, quoi. Donc, voilà, on essaye de voir pour ce que... Il y a une association, en fait, de dogs allemands. Donc, ils récupèrent, en fait, les dogs allemands que les gens ne veulent plus parce qu'en fait, bah, ils se rendaient pas compte de, voilà, de la taille de l'animal, de l'entretien, de la bouffe et tout ça. Donc, elle a vu une femelle qui lui plaît pas mal. Donc, à voir si, si on va la prendre ou pas. Hein, patate? Et voilà, et je vais aller faire la pièce des fufus et après, donc je vais prendre mon trépied et après, j'irai voir les narines. Donc voilà, là j'ai rien fait, là de furet j'ai juste ouvert la fenêtre et aéré, donc je dois changer tous les dodos et voilà, je dois vider les litières. Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu moins assidue pour nettoyer leur cage, enfin... Je nettoie toujours le plateau tous les jours parce que vu qu'ils mangent des poussins, c'est quand même plus hygiénique. Mais c'est vrai que l'extérieur, je sais pas si vous allez voir. Oh, ça paraît propre, dis donc, la caméra. Mais bon, il y a un peu de litière partout et tout, donc je vais nettoyer tout ça. C'est parti! Bobo et sa vanouille, coucou les filles. Coucou les filles, coucou moi Bobo. Et la blonde. Et blondasse. T'es belle. Et la mule. La mule. J'ai rien. Arrête. Bobo, Bonnie. Oh là là, les mouches, je vais te mettre ton masque. Hein, tu vas mettre le masque, Bobo. Et les filles. Savannah, t'es une géante. Ça va, nous. C'est un bétain qui... Oh, coucou, c'est bon. C'est l'heure de la sieste là, par exemple. C'est plutôt, on va dire, quand est-ce que c'est pas l'heure de la sieste pour Gizmo. Parce qu'elle est dans la caméra. Thank you.
je remplirai après alors. Vous allez venir sur YouTube, c'est pas grave. On peut vous flouter, hein. Pour ma chaîne. Si vous voulez pas que je vous filme, on filme pas beaucoup. Donc tu ramènes la star. Oui, il est connu, il est connu, il est connu. Ouais, on était dans le pariteur pour le... Pour la ligne de l'arc de triomphe. Moi, Nanouche, tu veux être pissée, ma belle? Mais il y a une photo sur votre Facebook de la clinique où vous êtes avec un zèbre. Ah oui, exact. Tiens-la bien, hein, parce qu'elle va peut-être... Émilie. Oh, c'est rien, Nanouche. C'est rien, ma belle. Ça, c'est juste l'anesthésie locale. Oui. C'est rien, ma Nanouche. C'est rien, ma belle. Fais gaffe, elle risque de tomber. Pascal, elle se laisse tomber. Oh, nous on est les clients boulets, hein. Allez, Nanouche, courage, ma Nanouche. Oulala, c'est bien ça. Voilà. Allez, elle est plus gentille que les poneys. Les poneys, ça bouge plus. C'est ouais. Bien, Nanouche. J'aurais trop peur. Si on me les vole. Ouais, voilà, j'aurais trop peur que quelqu'un vienne me dise, ah, mais c'est à moi ou. Il se dit, mais qui c'est qui viendrait voler? Non, c'est pas ça, mais moi je vois les qui viennent bien. Chez moi, ils sont à moi. Ils sont motivés un peu quand même. Ça puisse regarder. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? Il a rasé Nanouche. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait, ma belle? Moi, princesse, elle a titubé après. Hein, t'as titubé, t'as eu mal, eu peur. Hein, t'as stressé. Elle a titubé, elle est partie direct à la tétine d'Emilie. Donc, en fait, quand ils ont subi un stress de tété, ça les rassure. Donc, ils partent direct à la tétine. Moi, chérie. Moi, chérie. Bébé. Oh, Nanouche. Ça va, ma belle? Oh. Qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? T'aime pas Vincent, hein? Elle qui aime tout le monde, elle n'aime pas Vincent. Hein? Elle n'aime pas le docteur Hamann. Hein? Le maman. Ah, elle est là, maman. Émilie! Ah, laisse ça. Émilie! Viens! Viens, Émilie! Oui, Nanouche. Émilie! Alors, Émilie, là-bas, qui c'est qu'on a? On a Grim. À côté, on a Groot, Soso, Gamo, Barbie, Gimli, Doria. Ah, Nanouche. T'es avec tout le monde, là, hein? Hein? Attends, alors, je vais vous montrer un petit peu parce que maintenant... Attends, Nanouche. Maintenant, les Nanouches, elles sont entrées avec tout le monde. Donc, je vais vous montrer. Viens, Nanouche, viens. Viens, ma belle. Eh, ça fait un moment que vous n'avez pas vu. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Ma belle. Émilie, c'est pour moi, chérie. Ça va, ma belle. Alors, Émilie, elle est kiff qu'on la grotte là. C'est une tête pas possible. Attends. Oh, ouais. Oui, c'est beau, Mimi. Oui, elle adore qu'on lui gratte le cou. Elle aime bien aussi là, mais elle préfère le cou. Et elle a
C'est qui ça? C'est Guimi? C'est comme ça. Votre domaine. Alors les nanouches, elles dorment souvent là. Elles ont leur foin. Mais on les enferme pas en fait, on les laisse la nuit, elles peuvent retourner au champ si elles veulent. Voilà. Là, il y a Soso et Doria. Ils sont en train parce que j'ai des bonbons. Alors je vais accrocher les bonbons. Voilà, j'ai plus rien les filles. Et voilà. Ça c'est leur petit coin. Ah, c'est chaud. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, il y a encore des bottes. Bon, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour le vlog. J'espère que ça vous aura plu de revoir un petit peu mes vidéos. Je pense, enfin, je sais pas si je pourrais faire autant de vidéos, genre une fois par semaine comme je faisais avant, parce que ça me paraît un peu compliqué avec mon travail, vu que bon, je travaille pas mal. Et une fois que le week-end est arrivé, j'ai la flemme internationale et sidérale de filmer. Mais j'essaierai quand même d'en faire au moins deux par mois. Hein, mon bobo. Surtout qu'on va commencer à débourrer bobo. Moi, chérie. Moi, chérie. Et puis voilà. T'es grosse relou toi. Mon bobo. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt, une prochaine. Ciao.